Et nous arrivons sur l'île de Tatumka. La température extérieure est de 32 degrés. Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage et vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Forest et je suis avec Jérémy. Bonjour, nous allons faire les petits pédestres. Ouais, les petits pédestres. Oh putain! Bah, je suis encore sur le... Nous traversons actuellement une zone de turbulence, veuillez attacher vos ceintures. Ah bah oui, il n'y a plus l'avant de l'avion, donc la zone de turbulence, elle est un peu violente. Hein. Oh, j'espère que le son du jeu va pas être trop fort, parce qu'il est bien fort dans mes oreilles. Ouais, il est ah, bien ça fort. Ça y est, j'ai l'animation, j'ai le gamin là qui dort, qui est tout gentil, qui dort sur son épaule, avec ses dessins de merde juste en face. Oh, un petit bonhomme et un avion avec son papa. Ah, oh, mais quelle est cette tête de cul qui emmène cet enfant? Alors voilà, on est sur The Forest, ça va être une série de vidéos, on sait pas exactement ce qu'on va y faire, même si on a quelques idées. Et faut savoir que c'est un jeu en alpha, donc il va y avoir quelques baisses de framerate, quelques saccades, voilà, mais c'est dû à la capture. Je sais même pas si ça se verra vraiment en fait à la capture, parce que la dernière fois que j'ai dit ça sur un jeu, en fait ça se voyait même pas. Donc on verra bien. En tout cas, on se retrouve pour cette aventure. Alors c'est un jeu qui est encore en alpha. Donc, y a des mises à jour régulièrement, tous les 15 jours, 3 semaines, en gros, il y a une mise à jour. Donc ils ajoutent à chaque fois du contenu, ils améliorent la stabilité, ils améliorent un peu la fluidité, ils améliorent tout ça. Ah, pâté là. Yep, j'étais à la cinématique. Donc, voilà. Et on va essayer de... De se faire respecter. Voilà, de se faire respecter, parce que sur cette île, il y a des habitants déjà. Des cunus et des gollums. Il y a des cunus, ouais. Donc eux, les cunus, c'est un peu comme si c'était les indiens que vous arriviez chez eux, mais bon, au bout d'un moment, quand vous leur faites la guerre, les mecs ils se disent « Oh, technologiquement, ils sont plus avancés que nous, on va les laisser tranquilles. Enfin, » Et on a les gollums. C'est un peu ça. Oui, et on a les gollums qui sont des espèces de mutants, je ne sais quoi. Et eux, par contre, ils n'ont rien à péter. Du respect. Et eux, ils apprennent pas le respect, eux. On peut faire déforestation, on peut faire tout ce qu'on veut. Eux, ils n'apprennent pas le respect. Donc, bon, vous allez voir que le jeu, il est quand même plutôt joli pour une alpha. Encore une fois, parce que je le dis, c'est même pas une bêta, c'est une alpha. Par contre, j'ai du sang partout. Vous ouvrez toutes les valises. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Non, il y en a pas tant que ça, là, dis donc. Falloir qu'on fouille les alentours là parce que pour les valises. Ouais, parce que là on s'est un peu fait arnaquer sur les valoches quand même, hein. Parce qu'il y en a pas énormément. Boum! Une valise, des médicaments, ce qui est très important. Ouais, des médicaments, évidemment ça peut servir. Alors là, on va d'abord fouiller un peu partout aux alentours de l'avion. Et après. On va se barrer d'ici, parce qu'évidemment un avion qui s'écrase ici, ça a dû attirer... Tout le peuple. Ça a dû attirer tous ceux qu'il faut pas attirer. Bon, je ramasse les sticks et les pierres par terre. Ouais, moi aussi, ouais. Et puis on va se casser d'ici. Je sais pas... Ah, y a un varan, il monte sur l'arbre. Ouais. Boum! Merci pour ta peau. Parce que ça, c'est important aussi de manger. Il y en a là-bas, des valises. Il y en a là, aussi, à côté d'un fleuve. Ah bah, t'as trouvé le même endroit. Voilà, bon, la balle de tennis, on s'en fout. Je vais me laver après. Parce que ça, c'est pareil, il faut essayer de se laver dès que vous avez du sang sur vous, parce que... On peut choper des infections. Apparemment. Donc... Hop, voilà, je me lave. Alors, on va essayer de faire des épisodes de 25-30 minutes. C'est une lance, ça? Ouais, c'est des lances, ça.
ici là. Oh, c'est bon. C'est bien ça. L'eau est pas bonne. Non. Effectivement, l'eau n'est pas bonne, mais elle est potable. Ouais, disons que oui, le personnage il a réagi un peu bizarrement, mais on peut la boire quand même. Hein, voilà. Elle est pas très très bonne, mais ça peut sauver la vie quand même. Donc voilà, t'es là. L'objectif ça va être de se barrer maintenant, de se trouver un coin. Bon, moi je dirais qu'on aille par là. Et une fois qu'on aura trouvé un coin, ça va être de s'installer. Déjà, enfin moi c'est les premiers objectifs que je mets toujours, c'est de se trouver un coin et de s'installer. Parce que si t'as pas un camp correct où t'installer, où te planquer en cas d'attaque ou quoi, déjà t'es dans la merde. Ah, faut fortifier et tout, faut se mettre en sécurité. Voilà, quand tu pars explorer, tu sais que tu peux être dans la merde à un moment, mais quand tu pars pas explorer, que t'es chez toi et que tu peux te faire attaquer aussi, c'est un peu dangereux. Cette fois-ci, on va pas aller au même endroit pour s'installer, je pense. Ouais, parce que nous, on a fait une partie de notre côté aussi. Pour apprendre un peu les bases du jeu, quoi. Et tiens, il y a l'avant de l'avion, là. Ah oui. On va y aller. Il y a un camp par ici, normalement. On était bien installé, mais à cause du. Bah oui, il y a des maisons là-bas. Il y a un camp de cul nu. Ah, moi je suis à l'avion. Ouais, je suis là aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec le patch, en fait. Ça nous a un peu. Un peu tué la partie. Après, c'est le risque des mages sur une alpha. C'est pas dramatique en soi, parce que c'est maintenant on connaît bien le jeu et ça va être un peu plus rapide à se refaire. Ouais, puis de toute façon, on avait décidé que qu'on referait une partie à zéro pour la série de vidéos. Bon, alors. Voilà au village de Cunu en face. Ouais, il y a peut-être des choses à y récupérer. Ouais, j'ai rien qui est récupérable au fond de la mine. Au fond de l'eau. Non, pour l'instant, ça c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Ça arrivera peut-être. Hein. Faudrait qu'ils mettent des animaux aquatiques dangereux. Ouais, bah ici il n'y en aurait pas trop parce que. Si ça rejoint la mer, ils mettent un petit requin bulldog. Les seuls requins qui peuvent aller dans l'eau douce, et en plus ils sont agressifs. En plus, oui, ils sont agressifs, les requins bulldog. C'est ce qui a inspiré les dents de la mer. Aïe. Ouais, là-bas aussi, il y en a des maisons. Il y a des teintes. Donc, les premiers épisodes, ça va... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un... Je sais pas si c'est un goulou ou un cul nu, mais... Goutin. Il est où? Derrière le village. Ouais, il n'y a même pas une corde, quoi. Il est pourri, leur gage. Par contre, je vais casser leur effigie. Je vais récupérer le crâne. Il est là, je vais le défoncer. Ah, ouais. Je viens d'arriver. Je suis ton pire cauchemar. Oh. Ça commence bien. J'ai plus de stamina. Tu vas mourir, salope! Ah oui, alors, ça va pas être la série de vidéos de la paix, hein, je vous le dis. Non, je veux pas le caillou, je veux... Les deux clauses, là. Les deux bouts de tissu. Par contre, elle m'a fait bien mal, hein. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté... leur résistance et tout. Ouais. Ouais, peut-être. Ils ont trouvé ça trop facile. Bah ouais, c'était marqué qu'en multijoueur, les monstres, les ennemis, ils allaient être un peu plus balèzes. Donc là-bas, il y a des petites... on dirait des petites tentes. On dirait que c'est les Quechua qui habitent là-bas. Voilà. J'en ai fait un tronc.
Je vais voir s'il y a des choses à récupérer chez les Quechua en face. Important de récupérer les bouteilles d'alcool. Important. Parce qu'avec les bouteilles d'alcool et les petits morceaux de tissu rouge que j'ai ramassés tout à l'heure. Ah, on peut sauvegarder ici. C'est bien ça. On peut faire des cocktails Molotov. Avec la tente ici, tu peux sauvegarder. Ah. Je Ah savais pas oui, ça. sur toutes les tentes là. Une bouteille d'alcool. Ouais, alors vous inquiétez pas si un coup vous voyez la touche C ou D ou je sais pas quoi s'afficher et un coup vous voyez une touche de manette, c'est pas un bug, hein. C'est juste que des fois je fais des trucs avec la souris, des fois je fais des trucs avec la manette, ça dépend en fait. T'as vu? Oh putain, il y a une grotte juste ici. Il y a une grotte juste ici, tu vois, on n'a même pas intérêt à faire un camp ici, quoi. Je vais pas trop m'aventurer au Non, on début. a peut-être même pas trop intérêt à y aller maintenant. On va voir un peu comment ça descend. Ouais, non. On ira plus tard. Au début, il faut faire un peu les tapettes, hein, clairement, parce que c'est un peu dangereux. Ah, c'est pour des sticks, je pensais que c'était des... Des feuilles. Pour des feuilles. Il Ouais. Bon. n'y a pas de tortue, il n'y a rien. Ah, ça c'est pour des feuilles. Hop là! Oui, les feuilles, il en faut aussi, c'est pour le feu. Ils ont l'air de aussi, en fait, je pense que c'est la hache du début qui était trop forte. Et du coup, ils l'ont diminué, je pense. Ouais, peut-être. Donc on a intérêt à... Attends, je vais boire un petit coca. Ah, c'est ce que j'ai fait. Oh mon dieu, j'ai dit une marque. Oh. Je suis un jeune partenariat, on me Non, donne des sous. t'as oublié le deuxième mot. Donc ça va. Oh là là, on me donne des sous, je suis payé, attention. Mince, j'ai détruit Ouais, des trucs parce à qu'il paix. y a des gens complètement ouf, hein, qui pensent que dès que tu cites la moindre marque ou le moindre truc, t'es payé direct dans un partenariat et t'es payé. Ouf, elles sont pas bonnes ces baies. Tu vas Non, mourir, non. tortue? Faut qu'elle sorte, en fait. Oh, Regarde. elle a disparu. Je regarde autour de nous quand même. Moi, je la vois toujours. Moi, je la vois plus, elle a disparu. Je la vois toujours, mais elle veut pas sortir. Ah, attends, ça y est. Ouais, des baies pas bonnes. Ouais, mais elle est re-rentrée direct. Ouais, t'as des animations maintenant. Quand tu prends est pas bonne. Ouais. C'est un nouveau truc aussi, ça. Bon, bah, j'arrive pas à la tuer, moi, cette tortue. Tant pis, elle est dissidente. Je vais revenir avec une autre hache. Ça va lui apprendre le respect. Ouais, d'ailleurs, normalement, je peux le faire tout de suite. De quoi, la nouvelle hache? Ouais. Non, il trouve une corde. Ah ouais, c'est une corde qu'il faut, c'est pas un bout de tissu. C'est pour ça qu'il faut trouver, il faut s'installer pas loin où il y a des bateaux et tout. Là en fait, non, on va pas aller par là parce qu'en fait, on voit la direction là où on était installé avant. Ouais, mais c'est vrai qu'on était pas mal. Oh Ouais, putain, c'est un crocodile ça. en plus il te pourchasse. Hein. Te poursuit. Oh, il y en a un là. C'est derrière toi qu'il est maintenant. Il y en a deux en fait. Oh putain. Il va par où ce con? Toute façon, ils sont lents. Ouais, enfin là il court vraiment. Il est pas si long que ça. On fait le tour pour me rejoindre. J'arrive. J'ai attendu qu'il regarde ailleurs pour sauter de mon caillou.
Non, la pinou. Mais il y en a encore un qui court, hein. J'ai entendu bruit derrière moi. Donc fais gaffe, parce que à mon avis, il y en a un qui m'a vu. Ouais, c'est bon. Il est très dur de se repérer dans ce jeu. Ah, elles me font chier ces tortues là. Tu auras encore le bug animal. On va revenir. Bon bah tant pis, j'arrive pas à la tuer, je vais pas perdre mon énergie et mon temps sur sa tronche, cette tortue. Hey, c'est Franklin. Ouais, il rentre chez toi. Il rentre. Franklin savait compter deux par deux et lasser ses chaussures. Ah, ça commençait toujours comme ça, les épisodes de Franklin. Je regarde le temps en même temps parce que on va pas faire des épisodes trop longs non plus. Hop, hop, on a la recherche de cabane. Ah bon, vous voyez, c'est plutôt joli quand même. C'est vrai que c'est un jeu en alpha, je sais pas comment ça va rendre sur YouTube, je vais faire en sorte de mettre la meilleure qualité possible pour que ça rende correctement sur YouTube, parce que généralement quand il y a beaucoup d'herbe et tout comme ça sur YouTube, ça pixelise. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Je commence à avoir et faim. Apparemment il y aurait un katana dans le... dans The Forest, mais faut savoir où il est. Ouais, putain, la nuit va tomber. J'ai faim. Moi aussi. Hop, un sneaker. C'est un arbre truc, ça. Ouais. C'est un non, parce qu'il n'y a pas de corps. En ah, fait. Non, il n'y a pas de corps pendu. Ouais, du coup, ça va. Parce qu'ils ont des arbres un peu chelous, eux, où ils pendent des gens. Et là, la nuit arrive, on n'a rien pour s'abriter. On a intérêt de faire attention. C'est surtout les gollums, parce que en fait, les natifs, ils ont toujours un natif où ils font de la lumière et on les voit assez bien de loin. Bon, ces baies sont dégueulasses. Par contre, quand tu manges des baies, ça augmente la soif aussi. Ça augmente la jauge, quoi. Oh, il y a des maisons, là. C'est bon, on va voir. On va aller les piler. On arrive à un village de Cunu. Deux médicaments. Bon, ça c'est des bonnes idées, visiblement. On va les manger. Des cordes. Hop. Ah bon, on va pousser cette table, on s'en fout. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Sur leur table, mais une vraie boucherie, quoi. Bah, ils pendent des mecs, hein, donc... Enfin, ils pendent des morceaux de mecs à des cordes, souvent. Donc, moi, je me demande pas ce qu'ils ont fait avec, hein. T'as trouvé des cordes? Ouais. C'est des baies dégueux, ça. C'est les baies bleues qu'il faut manger. Mince. Ah. Bon, bah voilà. Il fait nuit, on n'a pas d'abri.
Oh putain, elle est raide la pompe là. Oh, j'ai réussi à pas me tuer. Bon, là, va falloir faire très gaffe. Ouais, on aurait dû faire comme la première fois. Rester au bord de l'eau. Ça, c'est la solution ultime, ça. La nuit, quand vous êtes dans la merde comme ça, vous restez au bord de l'eau. Et une fois que vous êtes au bord de l'eau, dès que vous voyez quelqu'un qui veut vous attaquer, bah vous allez nager. Des plantes, c'est toujours bien à ramasser. Ouais. Assez loin du bord, et comme ça, il viendra pas vous chercher si vous êtes trop loin du bord. Surtout que là, il y a des effigies, même ici. Donc ça craint un peu du cul quand même. Ah. Va par là, suis-moi. Je vais pas à droite parce que je crois que j'ai vu un cul nu. Bah l'important c'est que lui nous ait pas vus. C'est surtout ça. Oui. Bon, l'important c'est de trouver un coin d'eau. Quoi ça? De l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Alors on a un briquet pour s'éclairer, hein, mais il vaut mieux pas faire ça. Parce que si vous faites ça, vous vous faites repérer. Enfin, ça aide grandement à vous faire repérer, quoi. Je sais qu'il y a un endroit C'est moi, t'inquiète. qui était pas mal. C'était en haut d'une colline, une grande colline. Le seul truc qui était embêtant, c'était qu'il n'y avait pas vraiment d'arbres à côté. Mais là, on peut s'installer par là. Mais là, c'est de l'eau de mer, on va pas pouvoir boire par contre. Exact. Est-ce qu'on peut voir là? C'est ça, parce qu'il faut essayer de prévoir ça, parce que bon, vous pouvez mettre des récupérateurs d'eau, mais si jamais il pleut pas ou quoi, ils sont pas forcément pleins tout le temps. Du coup. Oh, fais gaffe! Il y a Gollum femelle qui est là. Derrière toi. Ils sont deux. Alors, tu veux pas me respecter? T'es sûr de toi que tu veux pas me respecter? Oh, elle m'a frappé, j'ai plus de stamina. Oh putain, je suis dans la merde. Oh, y en a un autre qui arrive derrière toi, fais gaffe. On est en train de se faire allumer. J'ai plus de stamina. Un coca. Reste par terre. Ah, il y en a encore d'autres. Ah, je suis mort. Mort-mort ou... Bah, il faut que tu me réanimes, quoi. Bah, je sais pas où t'es. Pas loin. Ah ouais, là. Bon. Moi, je te vois debout. Je suis mort. Mort. Ah merde. Bah écoute. C'est lui, hein. Tu sais quoi, je vais me foutre dans l'eau et je vais t'attendre. Par contre, il faut que je mange, sinon je vais crever. J'ai plein de barres de chocolat. Voilà.
Dans l'eau, je vais avoir froid, mais au moins ça va me sécuriser un peu. Je mange des baies pas bonnes. Ça me Oh remplit la putain, faim. je me fais agresser par quoi encore là? Il y en a encore un. Putain, il est venu me chercher dans l'eau. Ah, ils sont deux, je suis dans la merde. Un caillou. Et je crois qu'ils suivent dans l'eau maintenant. Sont Ah non, ils devenus sont pas. là. Ils sont au moins 4 ou 5 là. Et en plus, ils courent, ils vont à moitié dans l'eau. Oh putain, ouais. Mais ce qui peut te taper dans l'eau aussi. Oui. Ah bon? Oui. Même que si t'as pas pied? Apparemment. Oh putain, et en plus il m'a fait voler. Je me suis envolé. Et ça m'a niqué en plus, putain. Ah non, ça T'es c'est... mort? Ouais, mais là je suis dégoûté parce que c'est un bug qui m'a tué. Parce qu'il m'a mis un coup, je me suis envolé et je suis tombé. Ça, on n'est pas loin. Ah ouais, mais ça fait un peu chier là de crever de cette manière. Bon, bah vous voyez. Et puis là, il n'y a plus rien dans cet avion du coup. Non. Il n'y a même pas de hache là, comment je fais moi? Ouais, j'ai pris un stick. Oh là. Oh non, foiré! Je cours, je cours! Oh non, oh les enfoirés, ils ont couru plus vite que moi. Bah ils sont beaucoup là-bas. J'en vois un qui court sur le bord là aussi, j'ai même pas d'arme alors du coup. J'allais vers la mer pour nager au loin, mais sont beaucoup. Oh, et puis j'allais faire un cocktail Molotov pour leur balancer, l'autre il m'a mis un coup, ça m'a fait voler dans le ciel. Enfin ça m'a fait voler bien haut. Et quand je suis retombé, je suis mort. Mais oui, visiblement, il venait me chercher dans l'eau. Par contre, j'ai plus de santé, comment ça se fait là, que j'ai pas beaucoup de santé comme ça? Tu rafraîchis toujours comme ça en fait. Oh la misère. Alors là, il faut que j'aille jusqu'à mon corps, normalement, pour récupérer ce que j'avais, ou au moins une partie de ce que j'avais. Et la nuit est encore longue. Ils sont tous là-bas. Bah ouais, j'en vois même ici, moi. J'ai même pas d'armes, comment je veux que je fasse? Si j'en croise un, je suis dans la merde. Moi, je vais faire le tour jusqu'à mon corps. Ouais, non, mais on aurait dû se faire un abri direct, hein, au lieu de se barrer comme ça. Hein. Au moins un petit abri pour se planquer. J'ai faim et j'ai rien à manger. Parce que là, on va arriver à 30 minutes d'épisode en plus. Ça a été le fail le plus total Je te sur la vois, toi, fin. t'es en train de courir là, t'arrives dans l'eau, non? Non. J'étais tranquille, tu vas me les ramener par là, toi. Il y a une lampe. Et monsieur. C'est pas très cool, ça. Chose en dur.
Bon. Ah mais mon corps il est par là-bas, il faut pas que je fasse un grand tour non plus parce que... Il n'y a même pas des baies qui traînent ici, on est trop au bord de la mer. Mais là, nos corps, ils sont de l'autre côté, hein. Je sais pas où tu vas. J'ai récupéré mon corps. Qui était pas loin de là. Bon, j'ai presque plus rien, parce que j'ai eu. Bah moi faut que j'arrive à le récupérer. Au moins récupérer la hache. Bon ça commence très mal cette série du coup. Tu vas leur montrer la difficulté. Oh, c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Oh. Il y en a un. Non mais. Plus grand chose non plus. Hein. Il me reste de quoi faire. J'ai perdu mes cordes. Moi j'en ai encore une. Ah, le jour. Ouais, bah ça tombe bien, je les entends crier alors. Ah, j'ai mangé un snack bar, j'ai encore faim. Ouais, moi aussi. Bah tant pis. J'aimerais bien monter là, mais... Donc, on va aller par là. Bon, on va s'arrêter là pour ce premier épisode, peut-être, parce qu'il fait 32 minutes. Donc on va se laisser là-dessus pour ce premier épisode dans la difficulté. Et bah, on se retrouvera pour un deuxième épisode. On va le faire à la suite, là, puisqu'on a le Attends, temps. rejoins-moi, rejoins-moi, je suis en haut. Il n'y a pas des baies, là, quelque chose, non? Désolé. À tes souhaits. J'ai dû éclater le micro. Désolé pour les gens qui avaient un casque, j'ai pas eu le temps de m'écarter beaucoup. Ah, plus ça m'a défoncé la gorge du coup. J'ai essayé de me retenir mais je me suis tué la gorge. Ah, bon, allez, on s'arrête là-dessus pour ce premier épisode. Salut à toutes et à tous. Salut.